Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une belle débrief de bonne qualité, surtout la qualité. Il faut pas oublier la qualité. Franchement, la débrief, il n'y a rien à dire, les amis. Il n'y a rien à dire, il ne faut pas discuter là, quand même, il ne faut pas discuter. Il n'y a rien à dire. Pour une fois, l'Olympique Lyonnais, pour une fois, tout simplement, pour rien, il n'y a rien à dire. Je suis même perturbé tellement, dans ma tête, on est 10 dans ma tête, on est 10, peut-être on est 20. Mais je pense plus 10, on est 10 personnes en train de parler, on flash, on dit n'importe quoi, on dit plein de choses. 10 gars comme moi, là, copie comme moi. Je sais même plus par quoi commencer, les amis, tellement je suis content. C'était un match extraordinaire, franchement. On se retrouve pour une débrief géniale, là où on peut être heureux, puisque là, l'Olympique Lyonnais, ils ont tenu tout le match. Et tout le match, ils ont tenu, c'est extraordinaire. Franchement, il n'y a rien à dire là, mais il faut dire la vérité. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand c'est la fête, il faut dire que c'est la fête. Comme vous avez vu, une petite danse pour... En fait, cette musique, c'est une musique de joie, de bonne humeur, qui fait que, voilà, que c'est Toko et Kang. J'arrive même plus à le dire, je suis perturbé tellement, je suis trop d'émotion en même temps, je suis un peu, je deviens fou. Toko et Kang, en fait, c'est... C'est un international camerounais, c'est ce qu'il écoute comme musique, il connaît par cœur cette musique. Franchement, les Camerounais, ils connaissent la musique. Si vous avez entendu, je ne vais pas mettre toute la musique, puisqu'avec les droits d'auteur, je perds la vidéo directe, vous le savez très bien. Du coup, ce match, un peu je me suis dit, avant que le match commence, bien avant que le match commence, puisqu'en fait, j'étais en train de faire des TikTok, et pour dire même, regardez mes TikTok, je mets le nom de mon TikTok juste en bas, là, ici, qui va se détourner. Et allez voir mes TikTok, vous allez rigoler. Enfin, je fais des TikTok un peu tout, je fais n'importe quoi, je m'amuse. Je m'amuse tout seul. TikTok, de toute façon, c'est fait pour ça, pour s'amuser. Pour revenir dans cette débrief, en fait, ce match, il était bien, parce que pour une fois, Lyon, ils ont défendu tout le match et ils ont réussi à tenir tout le match. Et ça, c'est très, très bien. La première mi-temps, ils ont tenu le 0. S'ils n'avaient pas marqué, avoir tenu le 0-0, c'est extraordinaire. Et après, en deuxième mi-temps, une fois qu'ils arrivent à tenir ce score de 0-0, après, l'objectif, c'est de marquer ce premier but. Et puis, comme vous avez vu, ceux qui suivent bien l'Olympique Lyonnais et qui suivent notre star Lucas Paqueta, il était au Brésil, hein, c'était vendredi, je crois, vendredi soir. Et il a joué, il a joué au Brésil et il a fait un match extraordinaire, ils ont gagné, je crois. Je ne sais plus si c'est 4-1 ou 3, je ne sais plus. Enfin, j'ai regardé le match vite fait, j'ai vu qu'ils étaient en train d'éclater notre équipe. J'ai dit, bon, ça va, je suis allé dormir. Et Paqueta, il faisait son match extraordinaire, il faisait son match avec le Brésil, génial. Je me suis dit, c'est bon, j'espère qu'il va revenir pas blessé. Du coup, il est arrivé, Lucas Paqueta, après le match international avec l'équipe internationale du Brésil. Après le match, il a pris l'avion, il est venu sur Lyon direct, il a fini avec le Brésil leur match et tout ça. Je crois que c'était un match, il me semble, de qualification pour la Coupe du Monde. De toute façon, largement, ils sont qualifiés. Pour moi, je ne vois pas le Brésil ne pas aller à cette Coupe du Monde cet été. Franchement, je ne les vois pas. Parce que si le Brésil ne vont pas à la Coupe du Monde, ça va être bizarre. Mais ils ont une équipe trop grosse, une trop belle équipe. Du coup, en parlant de Paqueta, il a fait son match, un gros match, un super match avec l'équipe du Brésil. L'équipe de son pays, enfin le Brésil quoi. Et du coup après il a fini. Et même que l'entraîneur lyonnais n'était pas d'accord qu'il aille faire ce match, il voulait qu'il le préserve. Il avait peur qu'il se blesse en fait. Il avait peur que Paqueta se blesse avec le Brésil et qu'il ne puisse pas jouer le match contre Monaco. Du coup il ne s'est pas blessé, il a fait un super match. Et il est revenu sur Lyon et puis tout allait bien. Et puis il a vu l'entraîneur lyonnais. Et il a dit que bon, il est disponible pour jouer, il était chaud, il voulait jouer ce match contre Monaco, il était très chaud. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bon, après, ils lui ont dit, bon, t'as fait un match, déjà, t'as un match dans les jambes, on va pas te faire jouer d'entrée. Du coup, ils l'ont mis en remplaçant. Bon, il est resté remplaçant, il est resté calme, il a respecté les coachs, ce qu'on lui a dit. Et puis, il était comme ça, il regardait le match, il était concentré, là, il était impatient de rentrer, hein. Franchement, dans sa tête, ça bouillotait. Il avait qu'une chose à faire, c'est rentrer. Qu'on l'appelle et qu'il rentre. Et puis il est resté, puis les 60 minutes sont arrivées, tu le voyais, il était concentré, il restait dans le stade comme ça, dans sa place, tranquille. Et vers les, je ne sais plus si c'est les 75, 78, ou enfin bref. Après, Paqueta, on l'a appelé, on l'a dit, bon, allez, va t'échauffer. Même pas, je crois même pas qu'il allait s'échauffer, on l'a appelé direct. Et bon, vite fait, il a mis son maillot, direct, il a mis son maillot, numéro 10, Paqueta.
et il est rentré. Et dès qu'il est rentré, les supporters, je vous dis pas, c'est, ça y est, c'est le dieu, il est entré le dieu. En fait, c'est ça, hein. En vérité, Paqueta, c'est notre dieu. Il est rentré le dieu, bah, c'est, il débloque pas tout le temps la situation, mais quand il est là, quand il joue, ça change tout. Il fait des passes démoniaques, des passes, mais franchement, une passe. Là, la passe sur le but qu'il y a eu contre Monaco, ce but-là, il était fantastique. Une passe, mais je ne sais pas si vous avez vu le match, une passe avec le pied, l'extérieur du pied, comme ça, cloque. Le joueur, il était comme un plot, en fait, le joueur, c'était un plot, le joueur de Monaco. Il était là, comme ça, il a, avec son pied, il a dévié le joueur, ça y est, flouc. Et il a fait la passe comme ça sur le côté entre les deux joueurs. Et après, le but est... Non, mais c'est trop... C'est un dieu, je comprends que c'est le dieu de l'Olympique Lyonnais, c'est le dieu Paqueta. En plus, lui, il a toujours la joie de vivre, il est extraordinaire celui-là. C'est un joueur exceptionnel, mais plus que exceptionnel, c'est extraordinaire. Je ne sais même pas qu'est-ce que je peux dire. Mais voilà, il est rentré, ça a changé tout le cours du jeu, alors qu'on était en train de tenir tout le match. Et après, voilà, Paqueta, il est arrivé, il a mis sa petite touche dans le ballon, il n'a pas marqué. Mais voilà, il y a un pénalty qui a été fait par le Camerounais. Que c'est pour ça que j'ai fait la danse, parce que je me suis dit, s'il marque le Camerounais, eh ben, je vais faire une petite danse avant de commencer ma vidéo. C'est pour ça que j'ai fait ma petite danse. Un peu, je pensais pas, hein. Je me suis dit, bon, allez, s'il marque, je fais ma danse. Mais dans ma tête, je voulais pas, je disais, il va pas marquer, je veux pas faire ma danse. Après, je dis, ah, c'est bon, je comprends plus rien, je pense à un truc, je dis, vas-y, s'il marque, et comme par hasard, il marque, j'ai pas fait près rien, je dis, s'il marque, normalement, il ne devrait pas marquer, je dis, comment ça? Et après, je le vois, il prend le ballon, et c'est lui qui fait le pénalty. Et il marque son but, j'ai dit, oh là là, il m'oblige à faire ma danse. Je me suis promis de faire une danse, ben je l'ai fait, qu'est-ce que je te dis, je fais un petit morceau de danse et puis voilà. Essaye de pas trop en faire, puisqu'avec avec YouTube, on perd notre vidéo rapidement. Si tu fais une musique, tu mets 10 ans la musique, ben tu perds ta vidéo. Du coup, j'ai mis un petit morceau, vite fait que j'ai dansé un peu. C'est une danse que Toko Ekambi, il connaît bien le Cameroun, c'est un origine camerounais. Enfin, je crois qu'il est né au Cameroun même. J'ai pas bien regardé, je me rappelle plus. Mais c'est un Camerounais, du coup, voilà, il connaît cette chanson par cœur. C'était une dédicace à Toko Ekambi, puisque voilà, il connaît cette musique camerounaise, il sait comment c'est. Et puis voilà, franchement, c'était extraordinaire. Je suis content de ce match, il n'y a rien à dire. Je suis trop content, trop merveilleux. Non, mais là, c'est trop. Je suis content. Pour une fois que Lyon a fait le match, a tenu. C'est ça qui fait que je suis content. C'est que Lyon, ils ont tenu tout le match. Et après, une fois qu'il tenait, il tenait, l'adversaire, il n'arrive pas, il tenait. Après, il a enchaîné, c'est-à-dire ils ont marqué un but, deux buts, ça y est. Et ils se sont fatigués, Monaco, parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Hein. Et c'était à un moment donné, j'ai cru qu'ils allaient marquer Monaco, parce qu'on ne le voit souvent pas. Et d'un seul coup, ils marquent Monaco. Alors là, je me suis dit, la défense, chapeau, hein, avec notre défenseur allemand. Non, mais là, c'est exceptionnel. Ce qui est plus exceptionnel, c'est que... la passe qui a été fait, le centre qui a été fait à sa Paqueta, et la personne qui a marqué, c'est un défenseur, mais le défenseur, même lui, il était étonné d'avoir marqué alors qu'il ne marque jamais de but. Et voilà, je me rappelle même plus de son nom, c'est pas l'allemand, c'est enfin bref, je vous mets la photo du joueur juste ici là. C'est ce joueur là qui a marqué là. Non, mais moi-même, ça m'a choqué. Ah, c'est lui qui marque, en plus. Et lui-même, il était étonné d'avoir marqué. Grâce à cette belle occasion de Paqueta. Mais si vous regardez le but, si vous voyez l'action, vous le voyez bien l'action, comme il a fait son pied, Paqueta, mais c'est le dieu, c'est trop. Moi, j'ai un peu plus, j'arrête de parler. Je parle trop, là. On se retrouve pour la prochaine vidéo, là. Ah, je suis trop content.